Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Problème de l'avant 16.14. Soit A et B deux nombres naturels tels que. Alors, entre parenthèses, AB représente le PGCD de AB et crochet AB représente le PCM de AB. Donc la formule donne A fois PGCD de AB plus B fois BPCM de AB est égal à A carré plus B carré. Trouvez BGCD de 2016 puissance A moins 1 et de 2016 puissance B moins 1. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, on va noter PGCD. Donc PGCD de AB est égal à K. Et on pose A est égal à K fois X, B est égal à K fois Y, et on sait que donc PGCD de X et de Y égale à 1, c'est-à-dire que X et Y sont premiers entre eux. On connaît la formule suivante, donc AB, A fois B est égal à PGCD de AB, de A et de B, fois PPCM de A et de B. Si on remplace A et B par K, X et KY, on obtient alors KX fois KY est égal à PGCD de AB. PGCD de AB, eh bien c'est PGCD de AB, c'est K. Et PPCM de AB, bah c'est ce qu'on cherche. PPCM de AB, c'est ce qu'on va calculer. Et donc, ici on a K au carré XY. On peut diviser par K parce que K est non nul. Et ça, c'est tout ça égal à PPCM de AB. Donc on obtient PPCM de AB est égal à KXY. KXY. On a alors donc la formule suivante. A fois PGCD de AB plus B fois PPCM de AB est égal à A carré plus B carré. On remplace par KXY, donc KX fois K plus KY fois KXY plus est égal à donc K au carré, donc K fois X le tout au carré plus K fois Y le tout au carré. On a alors K carré X plus K carré XY carré, donc X fois Y fois Y, Y au carré, égale à K au carré fois X au carré plus K au carré fois Y au carré. On peut diviser par K au carré cette expression. On obtient alors X plus X, X, donc X plus XY au carré est égal à X carré plus Y au carré, ou encore X plus XY au carré moins X au carré moins Y au carré égale à 0. On a alors donc l'égalité, donc cette expression on peut la factoriser de la manière suivante. X moins 1 fois Y au carré moins X. On peut vérifier. X fois Y au carré, ben c'est plus XY au carré. Moins 1 moins Y au carré. X fois moins X au carré. Moins 1 fois moins X, X. Donc on a bien cette expression ici. De cette équation-là, on peut retirer que x est égal à 1 ou x est égal à y au carré. Or, si x est égal à y au carré, eh bien ça veut dire que x est égal à y est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'on a x y est égal à y fois y. Donc, y diviserait x, mais ce n'est pas possible parce que on a que x et y sont premiers entre PGCD de x et y est égal à 1. Donc finalement, la seule possibilité pour cette équation, bah, c'est x est égal à y égal à 1. Tout ça parce que x, y premier entre eux. Donc x égal à y égal à 1. X est égal à 1. Eh bien, on peut remplacer maintenant dans l'équation. En fait, si x est égal à 1, a est égal à k. Donc b va être égal à ay. A égal à k, b est égal à ay. Donc finalement on va obtenir, donc ce qu'on cherche c'est le PGCD
2016 puissance A puissance A moins 1, 2016 puissance B moins 1, eh bien, écrivons 2016 puissance B moins 1, eh bien, ça c'est 2016 puissance A Y moins 1, ou encore 2016 puissance A puissance Y moins 1. Or, on a l'égalité suivante, eh bien, c'est 2016 puissance A moins 1, fois 2016 puissance A Y moins 1, entre parenthèses, plus, etc., etc., plus 2016 plus 1. Alors, on obtient que 2016 puissance A moins 1 est un diviseur de 2016 puissance B moins 1, car ça, c'est un entier naturel qu'on peut appeler grand K. Et donc, le PGCD de 2016 puissance A moins 1 et 2016 puissance B moins 1, c'est égal à 2016 puissance A moins 1. Bien, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.